te na ba téléspectateur banso ba Congo Live Télévision ba kei kolanda beto na ngonga yai na diaspora tulubi mbote nange moyo na ba téléspectateur banso ba Congo Live Télévision ba kei kolanda beto na ngonga yai na ville ya Goma bozali na Kisangani bozali na Tikapa bozali na Kwilu Congo Central Lomami pourquoi pas ba yenyo so bazali na Mweneditu bozali na Lomami tulubi mbote anange mbote na ba téléspectateurs banso bazali na diaspora bayeyo bazolanda biso na mukolo mwalelo tulobi mbote na bakonzi ya mboka nyonso gouvernement soumino wa bayeyo so bazwa ki chance ya kopona malokola bayeyo bakokumba mboka na biso na exercice ya 2023-2028 5 oyo ya fati bayeyo so bakosala tulobi mbote bipai na bino. Pona lelo tokei kokutana na moko ya ba député national na kati ya ville ya Goma azo mibenga ba benga kaye Eric Mumbere Bwanapua moko ya ba activiste oyo lelo aza deja na ensemble national azalaki moko ya ba activiste oyo bazalaki ko lite pour le changement moko ya batu oyo basengaka kebo kimia ezonga na kati ya Est ya République démocratique du Congo lelo tozo découvrir boni mutu akobima na balabala ti na ensemble national de la ri donc jusqu'à l'ensemble national eza phénomène moko munene ebele nanu ba comprendre que est-ce que ko salema lelo population ya Goma esala ki e confiance et pesa ki e confiance na mukolo wa lelo bazo kabelae confiance wana mbalami bale c'est-à-dire après ko zala a voter après ko pona malokola molobami oyo ya kolobela population ya ville ya Goma lelo tokei kokutana na e poto yeba réellement nini oyo zalaki motivation et poussa ki e kokende na ensemble national boni parcours na ye ekobi malelo de l'ensemble national na balabala ndenge abimaki na balabala ti na ensemble national bwana Mumbere Bwanapua oyo azo yeba na kati ya ville na Goma asalaki moko oyo aponamaki na kati ya ville ya Goma et puis au-delà de ça il s'est aussi imposé bapona ki e na kati ya territoire ya Nyiragongo. Ce n'est pas aussi simple que ça. Ba militants nyonso oyo bazolanda biso, ba militants ya Lucha, ba militants ya Filimbi, ba militants ya ba groupe de pression nyonso oyo bazolanda biso, nini esengeli to yeba na parcours ya mutu wana, nini esengeli to yeba, lit na ye ezali nini, vision na ye ezali nini. Est-ce que kokoma deja na ensemble national, eza moko ya biloko oyo etiki le lelo eke alo balisusu te, kokoma na ensemble national, est-ce que iza bisika oyo ye lelo akei kosala lit oyo azalaki kosala na balabala, parce que to moni boni abimaki na balabala, ba manifestation a grande envergure azalaki na kati. Na batu oyo bakangamaki azalaki na kati. Na batu oyo bazaki ko deplore eske Monisco esengeli kende parce que sali plus ya 25 ans sur le sol congolais bazo sala et l'autre côté azali na kati mutu oyo tozo kende kokutana naye toye ba masolo ya makambo zo salema. De milliers de congolais réclament la paix dans l'est de la République. Aza moko ya batu oyo bazo reklame bitumba esila na kati ya est ya mboka na biso. De milliers de personnes ndenge boyoki ke lelo de manifestations esalemi na beni batu bazo deplore le fait que dans moins de mois bazo buma deja plus ya 150 personnes notamment baye oyo babimaki babumaki bango na cantine babunga babaki bango na na bako ebele ba ADF va continuer ko buma batu na baye oyo ba continuer ka toujours bazalaki ko déplorer le fait que Sengeli Congo e kata collaboration na bango na Uganda parce que Uganda eza baye oyo bazo soutenir lelo ba rebelle ya M23 aza moko ya kati ya batu oyo ba déploraka chaque fois bitumba esengeli esila dans l'est de la République. Je reviens encore pour vous dire que jusqu'à présent la cité stratégique de Kanyabayonga reste sous contrôle des FRDC et des forces Wazalendo. Voilà donc tokei kokutana na ye moko a Bwanapua Mumbere Eric oyo azali moko ya ba député oyo bazalaka na kati ya Goma bakendaki Kinshasa ko représenter ville ya Goma oyo azalaki moko ya ba jeune ya ville awa oyo bazalaki kosala ba manifestation pour qu'il y ait changement. Voilà donc, je vous suggère, je vous propose de le suivre. Je suis Youssoufou Kibingila, David, journaliste d'investigation, à tout à l'heure avec Bwanapua Eric.
Merci pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes élu député national ville de Goma, ouais. Également élu député provincial en territoire de Nyiragongo. Nous avons le réel plaisir de vous recevoir. Un mot d'abord pour cet entretien exclusif. D'abord, je vous remercie pour cette confiance. Vous savez, oui, comme vous venez de le dire tantôt, je suis député national élu de la ville de Goma et député provincial élu du territoire de Nyiragongo. Et donc, je suis très disponible pour parler avec la population et à tous les téléspectateurs. Et en tout cas, je vous remercie. Depuis votre élection à Jamaï, en tout cas, le moment pour qu'on parle un peu de votre élection, mais il faut dire en tout cas que ce n'est pas facile de se faire élire au niveau provincial et au niveau national, surtout dans une ville comme Goma, qui semble être trop électrique. Un député qui vient, en quelque sorte, excuse-moi pour les mots, un député qui vient fraîchement de la rue, un jeune qui vient de la rue, se faire élire en ville de Goma, ça vous fait quoi? Comme vous le savez, d'abord, ça dépend des ambitions. Oui, on était dans la rue pour défendre les intérêts de la population. Et là, nous étions en train d'œuvrer en tant qu'activistes dans des mouvements citoyens. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'aller continuer avec cette même lutte dans des institutions. Et voilà, aujourd'hui, au Parlement de la République démocratique du Congo et donc dans l'Assemblée nationale, où j'ai décidé d'aller mener cette lutte. Et cela a été fait par voie des élections. Et donc, j'ai été parmi les 4 députés qui ont été élus dans la ville de Goma. Et comme la population a porté son choix sur ma personne, et avec cette confiance, j'ai dit « je serai prêt à travailler pour l'intérêt de la population comme je le faisais toujours dans la rue en tant qu'activiste ». Et donc aujourd'hui, en tant que député national, je serai prêt et je suis, comme vous le savez, j'étais toujours près de la population de la base, donc, et je serai toujours attentif aux conseils de la base, aux conseils de toute la population congolaise, et je défendrai les intérêts de cette même population au niveau de l'Assemblée nationale. Comme vous l'avez dit, vous aviez fait la prison, vous aviez été arrêté, ouais. Parfois gazé, parce que vous étiez en train de marcher dans la rue de Goma pour l'intérêt de cette population, pour l'intérêt de ces jeunes. Aujourd'hui, êtes-vous, sentez-vous être satisfait de voir que cette population que vous aviez défendue dans la rue vous a fait confiance en vous, votant en tant que député national et provincial également? Oui, d'abord, je dis merci à cette population qui a porté sa confiance à moi, à ma personne. Et en rapport avec cette confiance, j'ai dit, je dois maintenant travailler pour cette population. Oui, j'étais en train d'être gazé, j'ai été emprisonné, j'ai été malmené ou maltraité par le service, évidemment, parce que j'étais en train de demander ce qui était l'intérêt de la population. Et aujourd'hui, je crois que maintenant, la population m'a aussi, m'a mis maintenant là où se décide, là où se prennent de grandes décisions. Et donc, en rapport avec tout ce qui sera décidé là-bas, je crois qu'il y aura un acteur qui porte ma personne, et donc je serai là. Et ce qui sera non, je dirais non. Et ce qui sera oui, je dirais oui. Et c'est là par rapport aux ambitions que nous avons. Je crois que la population continuera toujours à nous soutenir dans nos ambitions parce qu'on a toujours dit que quelqu'un qui vit sans ambition, il est donc nul. Et c'est pour cela que nous sommes là. Nous continuerons toujours d'exprimer nos ambitions auprès de la population. Et si oui, la population, nous demanderons toujours à la population de nous soutenir. Élu député, c'est la liste du BIREC, voilà, je voulais dire l'IDPS, du BIREC. Un parti politique est membre de l'Union Sacrée, c'est ça? Vous soutenez les actions du chef de l'État, c'est ça? Oui, nous soutenons les actions du chef de l'État. On parle, parce qu'on ne peut pas faire une interview avec vous, on vous a vu dans la même liste, vous êtes parmi, elle est rare des jeunes qui ont soutenu en tout cas les forces armées de la RDC. Vous aviez été également sur la première ligne, on vous avait en train de soutenir, de pousser, de mobiliser les jeunes en fait qu'ils partent assister et accompagner les FRDC. Mais Cyric, aujourd'hui vous êtes député, comment vous analysez la situation sécuritaire dans l'est du Congo? Parce que cette guerre-là, elle persiste, une guerre sans fin.
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'arrive pas à mettre fin à cette guerre? D'abord, nous devons savoir quelle est l'origine de cette guerre. Nous avons suivi M. Paul Kagame quand il était en train de dire que l'objectif pour lui, c'est de gagner des terres sur le sol congolais. Et donc, nous devons savoir que le Rwanda, avec son gouvernement et son président, M. Paul Kagame, ils veulent des terres sur le sol congolais. Des deux, voilà aujourd'hui le M23 qui est là, parce que s'il faut parler de la généalogie de cette guerre, on peut commencer par l'AFDL, et que nous croyons, les gens croyaient que l'AFDL vient pour libérer la population. Malheureusement, dans l'AFDL, il y avait des Rwandais. Et voilà des Rwandais qui se sont sentis lésés avec la prise du pouvoir par M. Laurent Désiré Kabila et les autres qui se sont retirés pour créer le RCD. Et donc, après le RCD, c'est devenu CNDP, après CNDP, c'est devenu, je ne sais pas, M23. Et vous comprenez, aujourd'hui, la coalition, l'AFC et de Corneille Nanga. Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, la guerre est sous multiforme. Kagame, lui, qui cherche le terre au Congo, et Corneille Nanga, qui cherche le pouvoir à Kinshasa. Vous comprenez que c'est déjà deux choses qui, peut-être comme la communauté internationale est en train de demander à notre président de parler avec Kagame, mais bon, est-ce que ça sera tout? Est-ce que ça vaut la peine? Parce que normalement, on a toujours accusé les Rwandais d'être derrière la guerre du M23. Et parfois, les autorités ne disent plus M23, ils parlent aujourd'hui de l'armée rwandaise. Est-ce que dialoguer avec Kagame, ce n'est pas en quelque sorte dialoguer avec le M23? Dialoguer avec Kagame, c'est la même chose, c'est dialoguer avec le M23. Mais je ne sais pas si c'est dialoguer aussi avec l'AFC. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il faut concrètement pour mettre fin à cette guerre? Moi, je sais et je suis convaincu que c'est la résistance. Et si nous serons résistants et nous devons battre sérieusement le Rwandais, nous devons battre sérieusement le M23. Parce que les gens ne vont pas se fatiguer. Bon, je ne crois pas si les gens peuvent se fatiguer parce que c'est une guerre que nous avons commencée depuis longtemps. Et donc, si il faudrait qu'on se fatigue, sinon on serait déjà fatigué. Mais si nous sommes là, nous sommes toujours en train de nous battre. Quelle que soit la durée, quelle que soit la manière ou les difficultés que nous serons en train de rencontrer, moi je crois que nous devons toujours être convaincus qu'il y aura la victoire. On va résister jusqu'à quand? Nous allons résister si nous aurons aussi des responsabilités, s'il faut exprimer des responsabilités. Vous devez donc comprendre que nos autorités doivent être aussi conséquentes. Comme vous le savez, par exemple, aujourd'hui, la ville de Goma qui est encerclée, à l'est, c'est le Rwanda, à l'ouest, c'est Sake où le M23 a pris une partie de Masisi. Au nord, c'est le Rutshuru avec le territoire de Nyiragongo, dont une partie est prise par le M23. Au sud, c'est les lacs. Et je crois que tout Goma est encerclé. Parce qu'il ne reste que deux ici, qui est l'aéroport et les lacs. Bon, voilà. Je ne crois pas que si. Voilà, les lacs qu'on partage avec le Rwanda. Donc, Goma est asphyxié. Mais vous allez comprendre que. Là où je suis en train de parler de la responsabilité des autorités, vous allez voir par exemple aujourd'hui la population qui est asphyxiée comme ça dans une ville, mais les anciennes nomenclatures des impôts, des taxes sont en train toujours de circuler dans des boutiques et partir par là. On fait toujours payer des taxes à la population et la population risque de croire que l'État ne sait même pas que nous sommes en guerre. Et donc, moi je crois que avec cette population qui est en train de résister, il faudrait que l'État puisse aussi soutenir cette résistance. Parce que c'est cette population qui est en train de donner ses enfants pour aller défendre le pays. C'est cette même population qui est en train de nourrir les militaires. C'est cette même population qui est en train de nourrir le Wazalendo. Et donc, l'État doit soutenir cette résistance. Par exemple, en allégeant les taxes, soit en proclamant toute la province comme une province sinistrée, parce que par-ci, par-là, il y a la guerre. D'accord. Vous allez voir, par exemple, le territoire de Beni, qui est aujourd'hui en guerre depuis plus de 10 ans.
il y a le Masisi qui est en guerre depuis plus de 10 ans et partout ailleurs. D'accord, honorable. Nous tendons vers la fin de cet entretien. Ouais. Mais il faut qu'on parle de vous, honorable. Merci. Avant que vous soyez élu député national, ouais, on vous a vu dans la brousse, aux côtés des jeunes Ouazalène, vous-même. Est-ce que vous êtes Ouazalène? Il faut les rappeler également, vous l'êtes. Ce n'est pas une question qu'il faut poser. Ouais. Mais d'où est venue votre motivation? Ma motivation, c'est d'abord comprendre que moi, je suis né à Gueure. C'est le patriotisme, c'est parce que vous voyez, nous, le Congo, c'est notre pays, c'est notre terre, nous ne voulons pas qu'elle soit envahie ou bien qu'est-ce qui se passe? Écoutez, moi, je suis né pendant que la guerre existait déjà au Congo, ici à l'Est surtout, et je ne veux pas quand même mourir dans la guerre, parce que si je ne me porte pas comme acteur, pour finir cette guerre, qui sera maintenant l'acteur qui va finir cette guerre? Et donc, je suis obligé de mobiliser toute la population, de mobiliser toutes les générations à la résistance contre cette guerre. Voilà aujourd'hui le Rwanda qui veut des terres au Congo. Alors, les terres précisément où? Chez moi, je ne suis pas prêt, je ne peux pas accepter. Peut-être chez qui que ce soit, même pas chez moi. Et donc, nous sommes obligés de prendre les armes et de défendre notre intégrité territoriale. Nous avons notre pays et nous n'en aurons jamais un autre pays à part le Congo. Et donc, nous sommes obligés de défendre jusqu'au sacrifice suprême notre pays. Certains Occidentaux et certains médias critiquent l'action De ces jeunes-là qu'on a appelés aujourd'hui Ouazalendou, les résistants, les patriotes, on les appelle des milices aujourd'hui, ce qui ne passe pas dans la bouche des autorités congolaises, parce que Kinshasa veut vous appeler des Ouazalendou, des patriotes. Est-ce que les Ouazalendou sont une milice ou bien des patriotes? D'abord, le terme Ouazalendou signifie patriote. Donc, à Swahili, Ouazalendo, et en français, patriote. Donc, c'est pas ce sont des patriotes, ce sont des Congolais. Et dans tous les pays du monde, quand un pays est envahi, il y a toujours des patriotes qui viennent. La Constitution les garantit au Congo. Oui, oui, les garantit. D'ailleurs, l'article 63 de notre Constitution les garantit. Il y a d'ailleurs une loi sur le réserviste qui a été votée au niveau du Parlement. Et donc, nos chers frères, nos compatriotes, nos Ouazalendo, sont protégés par des lois de notre pays. Et tout celui qui peut les appeler de milices ou de groupes armés, je ne sais pas de quelle manière si on peut les appeler, je crois qu'ils ont tort parce qu'ils ne savent pas peut-être quelles sont les lois qui régissent notre pays. Et donc, je sais qu'il y en a aussi tant d'autres qui sont en connivence avec l'ennemi, avec le Rwanda, le M23 et tous les autres pays qui soutiennent le M23. Et je crois que les médias qui sont en train de continuer à dire que les Ouazalendo sont des milices, sont des groupes qui sont hostiles à la population, je crois qu'ils mentent. D'accord. Par contre, nous, comme nous sommes en train de le voir, les Ouazalendo sont en train de se battre aux côtés de nos FARDC, et nous ne cessons d'appeler au président de la République de les encadrer, de les soutenir en les donnant des ratios de campagne, en les donnant des tenues militaires uniques pour le Ouazalendo, parce qu'aujourd'hui, nous voyons le Ouazalendo, c'est comme si leur apparence montre qu'ils sont des groupes armés, soit qu'ils sont des milices. Et donc, comme ils sont en train de défendre notre pays, on doit confectionner leurs tenues, on doit leur donner des armes professionnelles, on doit leur donner des ratios de campagne, on doit leur nourrir et leur motiver pour remonter leur morale, parce qu'ils sont vraiment en train de travailler aux côtés de nos FARDC, et avec ça, nous croyons à une victoire. Quand on est en train de traquer ceux qui sont des traîtres contre notre pays, et il y a des gens qui disent qu'ils n'en sont pas d'accord avec ça, et donc ils sont parmi les traîtres. Complices. Ils sont complices. Et donc, on doit commencer par eux. Il faut légaliser déjà, parce qu'on a, il y a eu la levée des moratoires sur la peine de mort. Il faut donc faire les suivis, c'est ça. Deuxième chose, qu'est-ce qu'ils font? Il faut des enquêtes indépendantes, évidemment, comme vous le savez. Et moi, je ne souhaiterais pas que cette moratoire soit seulement pour le militaire. Je souhaiterais que ça soit même pour les administratifs. Pour les civils aussi. Pour les civils aussi.
Vous allez voir, par exemple, dans les systèmes, dans les systèmes judiciaires, il y a des magistrats, il y a des procureurs ici, il y a des juges qui sont corrompus. Et avec cette corruption, pensez-vous qu'on peut vraiment construire notre pays? Et donc, je crois que quelqu'un corrompu comme ça, on doit commencer par lui. Et avec une balle dans la tête, je crois que tous les autres vont maintenant dire la loi. C'est ça? Qu'est-ce que autre chose, quel autre élément il faut ajouter? Je crois que nous ne devons pas voir les choses et fermer les yeux. Nous devons d'abord dénoncer, nous devons être à mesure d'engager nos forces. Il ne faut pas dire que seulement, comme on le dit à Kinshasa, nous devons mobiliser toute la population congolaise à la résistance. Et donc, les gens de l'Ouest doivent soutenir les gens de l'Est dans déjà, cette résistance. Ça fait, on observe déjà, en tout cas, cette mobilisation sur, presque, donc, sur toute l'étendue du Congo. On va finir par cette question politique, Monsieur Eric, député national. Ouais. Est-ce que le président Tshisekedi a zobeta bi ou a zobeta mabe? Bon, pour moi, le président Tshisekedi a zobeta bien. Mais il faut voir aussi son entourage. Il faut voir aussi les exécutants sur terrain. Allez voir par exemple ici l'armée, une surmilitarisation ici à Goma, mais nous ne voyons que des replis stratégiques à replis stratégiques. C'est stratégique. On a cédé Rwindi Kibirizi partout là-bas. Pour dire, on justifie que c'est un repli stratégique pour éviter que les animaux puissent subir les conséquences de la guerre, des bombes, des balles. Est-ce que ça, dans les parcs. Est-ce que ça, c'est vraiment justifiable? Pour amener la guerre à Kanyabayonga, et donc là où il y a la population, et donc les animaux ont plus de valeur que la population congolaise. Non. Donc ça, ce sont des replis stratégiques qu'on doit sanctionner. Et donc le président de la République doit prendre des mesures nécessaires. Je crois qu'avec des traîtrises comme ça, il faut sanctionner. Il faut sanctionner les militaires qui étaient là. D'accord. Ouais. On finit par là. Comment avez-vous, un mot, 30 secondes, déjà le gouvernement, le nouveau gouvernement investi, le premier ministre est là, la première ministre, la dame Judith qui a été nommée, investi avec tout son gouvernement. Un mot, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce gouvernement? D'abord, nous saluons sa nomination comme première ministre. Et nous saluons la nomination de tous les ministres qui sont là. Et nous ne restons là que de les souhaiter vraiment un bon mandat. Et à cela, nous serons prêts à les contrôler. Nous serons en train de contrôler leurs actions. Et donc, nous les appelons maintenant à se mettre au travail. S'il y aura des malversations comme ce que nous avons vu à l'époque du gouvernement SAM, en tout cas, c'est compliqué. Parce que nous avons vu des détournements injustifiés. Nous avons vu des gens avec le système là de forage, vous voyez. Et quand on peut voler, on peut détourner tant d'argent, des millions, pendant que la population est en train de souffrir ici, qui serait bénéficiaire, en tout cas c'est compliqué. Et donc d'ailleurs, nous demandons que M. Kazadi soit arrêté. D'accord. Merci. Ouais. Ça, c'est notre sujet. Il reviendra prochainement, en tout cas. Je vois qu'on a assez de matières, mais nous n'avons plus assez de minutes. Merci beaucoup, honorable, de nous avoir accordé cet entretien. C'est moi qui d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie. C'était donc Bwanapua Mumbere Eric. Comme je l'ai dit tantôt au début de cette émission, dames, messieurs, nous vous disons merci de votre fidélité sur Congo Live Télévision. Merci de nous avoir suivis. Du début à la fin, nous disons Matondo, Nabaye Nyoso, Balanda Kibiso, Namukolo Mwalelo. Nous vous souhaitons un bon week-end à vous et à ce lundi pour d'autres actualités.